se connecte sur Brookhaven RP. Et je me suis fait 3000 Robux en devenant médecin. Un truc de zinzin. Avant de commencer la vidéo, on va faire un challenge. Comme vous êtes des superstars, au lieu de 3 secondes, je vous donne le challenge de vous abonner et liker en 2 secondes. C'est parti mes stars. 1, 2, merci à vous l'équipe. Mes stars, vous savez quoi? Ma mère, elle m'a dit, fais enfin quelque chose de ta vie. Et donc, j'ai décidé de devenir médecin. Ma mère, elle a toujours voulu que je devienne médecin. Donc, je vais pouvoir lui dire à la fin de cette journée que je suis médecin. Que voilà, j'ai travaillé aujourd'hui. Mais pour ça, il faut d'abord que j'ai un style. Parce que là, franchement, en plus, j'ai mon pantalon qui tombe. On dirait que j'ai fait caca dans mon slip. Donc, on va mettre d'abord mon skin de base. Et puis après, je vais essayer de trouver juste, je sais pas moi, un chapeau de médecin. Les médecins, je crois, ils portent un chapeau un peu comme les cuisiniers, je crois. C'est ça, ouais. Allez, on va trouver ça. Je vais enlever mon bonnet. C'est pas très professionnel de travailler avec un bonnet. Je crois que j'ai trouvé un chapeau de médecin. Je vais le mettre. C'est bon, ça a marché. Voilà, je suis devenue médecin. Et je vais prévenir. J'ai vu qu'il y avait 2-3 Français sur le serveur quand même. Je vais voir s'ils vont venir. Si je dis que l'hôpital, il est ouvert. Voilà, j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit, l'hôpital, il est ouvert. Si vous venez, je vous soigne. Ma mère, elle va être trop fière de moi. Pour le moment, il y a personne. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre, il y a des gens qui vont venir. Il y a au moins 15 personnes qui vont se ramener. Wesh, c'est ma première cliente, enfin je crois. Ah non, elle est en train de... Mais reviens. Ouais, elle se garde super bien. Bonjour, je dis wesh madame. Je lui ai demandé qu'est-ce qui va pas. Où est-ce qu'elle a mal? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Hein. Je vois. Je suis... Au ventre. Non, 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 madame, c'est pas le ventre. C'est la tête. Je suis sûre que c'est la tête. Comment ça, quoi? Je veux dire, c'est la tête qui va pas. Mais franchement, c'est pas elle qui est médecin d'abord, c'est moi. Donc c'est moi qui sais qu'est-ce qui va pas. C'est pas elle. Elle croit qu'elle a mal au ventre, mais non, elle a mal à la tête. Je vais lui dire, non, c'est la tête, c'est moi le médecin. Parce que elle a pas fait d'études aussi longues que les miennes pour avoir ce statut de médecin. Ah bah d'accord. Je suis trop fort. Il dit de venir pour s'installer. On va l'installer ici, dans la chambre de survie. Il y a marqué survie, ça lui ira très bien. Mais ce qu'elle va, viens ici madame, je vais lui montrer. Je vais faire avec le, hop, là, voilà, là. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. C'est froid. Elle a cru, elle était sur une table auto-bronzante qui va chauffer ou quoi? C'est un hôpital ici, madame. C'est un hôpital. Non mais puis quoi encore? Faudrait encore que je ramène une couverture. C'est pas l'hôtel. Je dois me mettre nue. J'avais envie de dire oui pour rigoler, mais non, parce que après je vais me faire engueuler. Parce que je demande à des gens de se mettre nus dans un hôpital. On va regarder des informations sur internet. Mal de tête, qu'est-ce qu'il faut faire sur Google? J'ai vraiment tapé ça sur internet, mes stars. Mal de tête, hôpital, quoi faire? Oh, en plus, il y a marqué... Je vous jure, la vérité, mes stars, j'ai tapé sur Google, mal de tête, hôpital, quoi faire? Et ça me dit, il est impératif de consulter très rapidement une aide médicale. Eh ben, elle est super bien tombée. Il y a marqué qu'elle va devenir, qu'elle va avoir une paralysie, qu'elle va avoir du mal à parler, elle va être confuse, elle va avoir une faiblesse brutale. Oh, ah, heureusement que je suis là pour la sauver, hein. Je vais poser des questions. Comme ça, on va pouvoir poser un diagnostic sur des symptômes évidents. Je réponds la disant bah café au carnaval. C'est encore une musique de Weshden, ça. Moi, je kiffe Weshden. Non. Comment ça, non? Si t'es paralysée... Je lui dis, bah, si qu'elle est paralysée à la fesse gauche. Je le vois, moi, je suis médecin. Elle sait pas, elle peut pas savoir si elle est paralysée ou pas. Parce qu'elle elle a pas fait mes études. Je vais essayer de réécrire fesse. Mais ça passe pas, fesse. Bah non. Comment ça, bah non, bah si. T'es pas médecin, je t'ai dit. Je peux bouger. Ouais, mais ta fesse gauche, elle est flasque. Je vais essayer de marquer fesse gauche. Mais j'arrive pas à écrire fesse. Wesh, Roblox, vous abusez aussi, là. Regarde. Elle m'a fait un twerk, quand même, sur la table. Elle m'a fait un twerk, Amina, tu vas te calmer, jeune fille. Mais elle est pire que les filles de ma classe, hein. Elle a toujours twerké sur leur table d'école. C'est normal, j'ai plus de fesses que toi. Mais elle peut... Mais c'est pas vrai, regardez, j'ai des fesses bombées. Je fais du twerk régulièrement pour bomber mes fesses. Tu connais pas ça, toi. Bon d'accord, j'avoue, je cache les fesses inexistantes que j'ai avec mon pull. Et alors? Et alors? C'est pas grave, ma chaîne, elle est en train de percer. Je vais avoir de la YouTube money. Et puis je vais m'injecter du botox dans les fesses. Je crois que c'est ça qu'ils font. Ou je sais pas. Oh, je crois que c'est du beurre. Si, tu sais, les influenceuses, elles se mettent de la margarine dans les fesses. Et après, elles ont des grosses fesses. Et bah, moi, je vais faire pareil. je vais dire que son cerveau ici, il est bombé, ma chérie. Mais ce sera pas pour les bonnes raisons. Allez, il faut se mettre au travail pour la soigner. Je lui dis, il faut que je la soigne parce que sinon, elle va mourir. Bah oui, comment tu sais, ma maman me l'a dit. Ah oui, c'est chaud là quand même, mes stars, c'est chaud. Ah, ok. Ça va, elle le prend bien. Elle le prend bien, elle le prend très bien. Vas-y, soigne-moi, bébé. Elle est partie en freestyle là. Ouais, je vais te sauver, t'inquiète pas. Hop, regardez-moi cette piqûre. Regardez-moi cette piqûre. Qu'est-ce qu'on met dedans? Je vais mettre quoi dedans? Attendez, je vais aller voir sur Google. Allez, on s'assied ici. J'ai mis, on met quoi dans une seringue pour endormir? Parce que moi, je sais pas c'est quel produit qu'il faut que je mette dedans. Et sur Google, ils me disent, un fusil hypodermique est une arme souvent de précision avec lunettes destinée à administrer un produit tranquillisant.
aller chercher un fusil. Je vais lui dire de m'attendre ici, je vais aller chercher quelque chose. Non mais moi, mes stars, moi je croyais que pour endormir les gens à l'hôpital, les gens utilisent des seringues, pas des fusils. Elle m'a dit ok, ça va. Je vais aller chercher un fusil chez les collègues à côté, qui est le commissariat. Là, c'est sûr, elle va rien sentir. Il y a un mec chelou là, il est trop bizarre. Pas grave. Voilà, un fusil, c'est ça. Je sais pas, est-ce que tu penses qu'il y a, il y a un truc de précision dessus? En fait, c'est vraiment bizarre là. Par contre, on dirait une cible mouvante. Regardez, pow, plein dans mille. Bon, c'est pas ça, mais j'ai une patiente qui est en train de m'attendre sur la table d'opération. Et il faut que je l'endorme. En plus, il me suit, hein. Il est en train de me suivre. Moi, je vous dis, hein, mes stars, hein, jamais je vais à l'hôpital. Hein. Si vraiment ils endorment les gens avec un fusil, non merci. Il me suit jusqu'au bout. Lui aussi, c'est un stalker. Bon, on va dire que c'est mon assistant. Voilà, madame. Je lui demandais de pas bouger. Ah, wesh. Mais wesh, il a pris une hache. Mais non. Attends, faut que je l'endorme avant. Ne l'ouvre pas tout de suite. Faut d'abord que je l'endorme. Faut d'abord. Mais lui, il veut l'ouvrir avant même que je l'endorme. Non, mais l'assistant. Assistant, arrête. Arrête, assistant. Bon, bah, je crois que c'est bon. Elle s'est endormie. Par contre, l'assistant, il m'a fait un petit carnage. Il m'a fait un petit carnage. Il l'a complètement découpé. Et moi, je fais comment? Il a cru que c'était un puzzle, la meuf. Et oh, assistant, c'est pas un puzzle. Il est en train de rigoler en plus. Wesh, l'assistant. C'est pour ça qu'il faut jamais prendre de stagiaire. Je le savais. Pourquoi j'ai pris un stagiaire avec moi? Je ne sais pas. Comment je vais régler ce carnage? Genre, il s'est vraiment barré, hein. Genre, vraiment, il est parti. Mais il est bizarre, lui. Ah, bah, plus jamais je reprendrai de stagiaire. En plus, elle proute sur la table. Mais ça sent le diesel, là. Ça sent la station essence. Mais il est revenu. Assistant, t'es trop nul, je vais lui dire. Il a cru, il était dans une boucherie à l'âle, lui. Mais il va pas bien, en plus il explose la salle d'opération. Bon, on fait comment? Ah ouais, elle commence à devenir blanche là quand même, hein. Ouais, c'est ça là, avec tes points d'interrogation, ouais. Non mais oh, il est malade, lui. Qu'est-ce que je fais? Comment qu'on fait quand il y a une personne qui est devenue un puzzle? Bah, c'est simple en fait, moi j'aime bien les jeux de puzzle. Il faut juste la réassembler. On va la réassembler, attendez. Mais wesh, elle me proute dessus, moi j'essaie de lui sauver la vie, elle me proute dessus. Allez, on réassemble le bras, il va là. La jambe par ici. Mais regarde, mais cet assistant est vraiment inutile. Il me regarde travailler. Mais aide-moi, assistant, je vais lui dire. Il est vraiment. Mais j'ai envie de le tarter. Je vais appeler son école. Je vais lui dire qu'il faut pas lui donner de diplôme à lui. Hein. Il m'énerve. Il a fait trop de conneries. Hein. Je trouve que c'est pas mal là. Je vais voir sur Google comment qu'on fait pour réveiller un patient. Comment réveiller un patient? Ah, faut le placer en salle de réveil. Il faut attendre qu'il se réveille. Je crois qu'on a des brancards par là. Je vais aller chercher des brancards. Je crois qu'il est là, le brancard. Ouais, il est là. Hop. On va la mettre en salle de... Bah, au fait, au pire, je peux la mettre dans la morgue directement. Hein. Voilà, c'est bon. Elle est où, la morgue? Il y a une morgue ici. Bah tiens, on va la mettre au truc. Ouais, c'est chaud à conduire un brancard avec quelqu'un dessus. C'est trop bizarre. On va la mettre là-dedans. Regardez la position. On dirait les positions de caca. Position de toilette. On dirait qu'elle est possédée, regardez! Elle est possédée! C'est ça le Mike l'a dit, j'avais dit depuis le début que c'était sa tête! Ah! Ah! N'ouvre pas la porte, elle est possédée, faut l'enfermer dedans! Non, moi je me barre, c'est bon, j'ai fini, je ne veux plus être médecin! Je m'en vais! Non, 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 non! Mais ils sont malades, ces gens! Je spawn ma voiture, je me casse très loin d'ici! Elle est possédée! Elle est possédée, je vous le dis! Je savais, pourquoi c'était une mauvaise idée? Pourquoi j'écoute toujours ma mère, moi? Vous allez mourir? Mais elle est malade! Elle est là. Wesh, elle me poursuit. J'en ai marre, pourquoi il y a tout le monde qui me poursuit? Aidez-moi le 4x4, ah ouais, aidez-moi, elle me poursuit. Moi, jamais pour... Attends, je rêve, voilà un flingue et tout. Ah non, mais je me casse, hein. Elle est malade. Elle est revenue d'entre les morts, à l'hôpital, et regardez-moi ça. Mais les gens, ils sont trop genoux ici. Regardez-moi, entre ces gens-là, ils sont en train de rouler dans une voiture qui enflamme. Tiens, je t'écrase, bande de Satan. Ah, c'est bon, je pense que je suis partie assez loin. Et là, regardez, il y a le truc qui brûle. Il y a tout qui brûle ici, il n'y a rien qui va. C'est bon, je m'en vais. C'est bon, c'est bon. Moi, je vais arrêter ici la vidéo, mes stars. Dites-moi en commentaire quel métier vous voudriez que je teste. En plus, donnez-moi des super métiers, là, comme ça, ma mère, elle est contente. Ça, je pourrais lui dire que je fais là les stages. Bon, je vais pas lui dire que mes stages, je le fais sur Brookhaven, par contre. La bise!